mettre le charbon. Ah, très bien.
Propriétaire de la voie, des bâtiments ainsi que des matériels. Et alors bientôt sur la gauche, on va passer à côté d'un... Sur la droite, on passe à côté d'une voiture verte de seconde et troisième classe qui date de 1936. Avec côté troisième classe, vous regarderez les mêmes sièges sur lesquels vous êtes si confortablement installés aujourd'hui. D'ailleurs, pour la petite histoire, autrefois en gare, il y avait de nombreux loups. Mais je pense qu'à l'issue de ce voyage, vous comprendrez pourquoi. Et toujours sur la droite, regardez ce drôle d'engin qui s'appartient de protection. C'est un autoreille Renault des années 50, qui était surnommé à l'époque par les cheminots Picasso, en raison de sa cabine de conduite qui est excentrée sur le toit. Il y avait également de nombreux producteurs de lavande. Lavande qui était cultivée et distillée ici. Pour l'instant, nous allons passer sous un premier ouvrage intéressant. Regardez, c'est un pont qui est de travers. Elle a été mise en service par la compagnie du chemin de fer Paris-Orléans en 1889. Tunnel de Guérandole, 1889. Alors on va faire une première halte hein, pour que vous puissiez tous descendre, admirer ce magnifique panorama. Alors bien sûr on attendra le signal après l'arrêt complet du train pour pouvoir descendre. Alors sachez que nous nous trouvons à 80 mètres au-dessus du lit de la rivière, donc s'il vous plaît prudence, hein, on évite toute acrobatie. Et je vous rappelle qu'il est strictement interdit de fumer. Merci. Non, c'est bon, ça va aller bien. So, ladies and gentlemen, here's the Northern Valley. We're going to stop here a few minutes to enjoy this beautiful landscape. Et ben ça y est, vous pouvez descendre. On s'arrête un petit moment. L'association est animée par 5 salariés permanents. Quoi? Et tout de suite sur la gauche, vous allez apercevoir un petit muret qui grimpe sur la falaise, parfois jusqu'à 30 mètres de haut. Il sert à sécuriser la voie, il va canaliser les eaux de ruissellement, éviter les chutes de rochers ou d'arbres sur la voie. Ce muret va nous protéger tout au long de notre voyage. Et maintenant, le troisième tunnel. Alors lui, c'est le plus court, il s'appelle Roc Blanc, il fait 40 mètres de long. So now we reach the third tunnel. It's called the Roc Blanc, it's the shortest of this track. It's 40 meters long. Et ça va nous emmener directement sur le quatrième tunnel. Alors lui, il s'appelle Peinture, il fait 72 mètres de long. And now we're gonna reach the fourth tunnel. It's called the Peinture and it's 72 meters long.
Sur la droite en contrebas maintenant. Vous avez un ouvrage très ingénieux. Regardez, c'est un mur en pente à 45 degrés, fait en pierre sèche. Alors très ingénieux pourquoi ? Car il contient en fait tous les déblais issus des percements des tunnels, ce qui a permis d'éviter la construction d'un pont. Et alors cet ouvrage, il a été fait entièrement à la main. Il n'y a aucun... Alors ce type d'ouvrage, ça s'appelle un PERE. P-E-2-R-E accent aigu. The last one. It's called the Courtil and it's 116 meters long. Pour abriter les ouvriers qui travaillaient sur les cantons de bois. Alors vous aurez l'occasion de vous approcher de plus près tout à l'heure, on s'y arrêtera sur le retour. Et nous sommes maintenant sur le viaduc en courbe des Courtils. Il a cette arche, il fait 143 mètres de long, en son milieu 35 mètres de haut. Et il surplombe le joli petit village des Courtils. C'est un ancien village de maraîchers. La Courtil en ancien français veut dire petit jardin potager. Mais regardez maintenant, si vous levez les yeux là-bas, au loin, sur la rivière, vous apercevez un pont métallique. C'est un pont cage, exactement. Alors, j'espère que tout le monde le voit. Il s'agit de l'œuvre d'un certain Gustave. So I hope everybody sees the Iron Bridge, the Grey Bridge on top of the river. It's the Eiffel Bridge, like the famous tower in Paris. And for the curved viaduct, it has 7 arches. It's 143 meters long and 35 meters high. À droite, en contrebas, regardez comme c'est beau, on dirait une véritable carte postale. Il s'agit du hameau de Palme avec son moulin à eau qui date du 18e siècle. Il est traversé par un petit ruisseau qui s'appelle la Tourmente, qui prend sa source Saturnine et se jette à deux pas d'ici, dans la Dordogne. Et remarquez ce long toit de cils plates. Ça s'appelle une longère. Elle est surmontée de son campanile, ce qui signifie qu'elle est du milieu du 18e siècle. Eh bien, c'est la maison du meunier. Elle date de la construction de la ligne, soit 1880. Elle a été fixée sur des margelles en pierre taillée sur place et vous noterez la présence de refuges tous les 15-20 mètres pour abriter les ouvriers qui travaillaient sur la voie lors des passages de train. Je vais attirer votre attention maintenant de l'autre côté, sur la gauche, avec ces fossés de drainage bâti qui ont été rénovés l'année dernière par notre association, ce qui remet bien en valeur la voie. Ça vous redonne son aspect d'eau. C'est le petit muret de protection. Alors son chemin à lui s'arrête ici et vous allez découvrir le système d'évacuation des eaux de ruissellement qui passe par la queue du pied construit sous la voie. Nous avons imaginé. Donc on va laisser le temps au train de s'avancer pour que tout le monde puisse bien voir. De la locomotive. Mmh.
ça comme siffler. Alors ça nous indique une zone de danger. On va traverser un passage à niveau communal non gardé. Alors je rappelle la priorité absolue au train, mais on va quand même faire du bruit pour s'annoncer. Là où il y aurait des automobilistes discrets. Eh bien ça y est, nous voilà arrivés à Saint-Denis-près-Martel, notre terminus aller. Regardez, en face de la place de la mairie, vous retrouvez la ligne de Paris-Toulouse-Saint-Cas-de-Nail dont je vous parlais tout à l'heure, celle qui passe par le pont Eiffel. Alors cette ligne, elle rejoint la nôtre en gare de Saint-Denis qui se trouve un petit peu plus bas. Malheureusement, nous ne sommes pas autorisés à aller plus loin, la gare étant toujours en service pour le transport régional. C'est pourquoi je vous demanderai de ne pas descendre de vos voitures pendant ce court arrêt. On va repartir aussitôt en sens inverse dès que la locomotive sera prête. So, ladies and gentlemen, please stay in the carriage during this short stop. Thank you. High, so please be careful. Parking is still forbidden. And do not throw anything from the. Et bien voilà, vous pouvez descendre. On s'arrête une nouvelle fois. Il démarre en douceur. Hein. Il démarre en douceur. Hein. Ah,
De visiter. Bon voilà, vous l'aurez compris, hein, notre voyage touche à sa fin. J'espère que vous aurez apprécié cette balade dans le temps, le long des falaises. Et alors, afin de prolonger le plaisir, n'hésitez pas à vous rendre dans notre musée qui se trouve à l'étage de la gare. À la sortie de la gare, il y a également un snack avec des sandwichs, des hot dogs, des frites, des saucisses. Et alors voilà, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. Sachez que vous êtes notre meilleure publicité. Un livre d'or attend d'ailleurs sur notre bar de recueillir vos impressions. Alors n'hésitez pas à laisser une petite trace de votre passage. Alors voilà, mesdames, messieurs, avant de partir, j'aimerais qu'on fasse une ovation pour l'équipe de la loco. Il fait 60 degrés devant le foyer. Il mérite nos applaudissements. Merci beaucoup, merci pour eux. En attendant, je vous souhaite de passer un excellent séjour dans notre belle région. So ladies and gentlemen, to see you another time so you could discover our future projects. Meanwhile, I wish you a pleasant stay in France. Un petit coup d'œil. Et bien sûr, on attendra le signal après l'arrêt complet du train pour descendre. Merci.